Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça sera vidéo haul Noz. Ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas partie chez Noz. J'ai pas fait d'achat, je ne vous ai pas filmé. Donc juste avant, je vous mettrai la vidéo dans le magasin. J'ai filmé pratiquement tout le magasin, tous les produits. Et là, une vidéo à part que le haul parce que sinon, je me suis dit ça allait encore durer très très longtemps. N'est-ce pas? Donc on commence vite fait avec... sac. Dans la vidéo juste avant, vous avez tous les prix. Donc si je vous dis pas les prix parce que je sais pas, cette fois-ci j'ai pas trouvé tous les étiquettes jaunes sur les produits. Donc regardez pas ma coiffure, elle est, c'est vrai, elle est bizarre ma coiffure. Pourquoi vous me dites pas, est-ce que je suis bien cadrée? Donc derrière c'est les ballons de chez Action. Donc pour 99 centimes j'ai pris une jolie tasse, un petit verre. Donc moi j'ai pris papillon, donc ça c'est pour offrir à une maîtresse ou une atsem. Je dis atsem. Voilà, vu que c'est la fin de l'année, voilà, je commence à faire les petits cadeaux. Donc j'en ai pris un autre. J'ai beaucoup aimé celui-ci. C'est avec forme de rose bleu là. Voilà, pour 99 centimes, ça valait le coup. Ensuite j'ai pris coton-tige pour 59 centimes. Alors pour tester de la marque Evoluderm, j'ai pris ce nettoyant au micellaire Evoluderm. Donc je ne connais pas, c'est lotion tonique purifiant au zinc extrait de thé vert. Voilà, au prix de 1,99€. J'ai pris ça en fait, c'est définition, texture et contrôle. C'est pour les cheveux en fait, mais c'est pour homme. C'est de la poudre en fait pour fixer les cheveux. Mais bon, j'ai pris ça pour moi, on va tester. Il était au prix de 60 centimes. Hein. C'est écrit poudre coiffant pour homme. Appliquez la poudre directement dans vos cheveux et coiffez ou appliquez-le avec la main, à la main. Moi, si vous connaissez, mais je sais quand je regarde les tutos chinois, enfin quand ils font les tutos coiffure, quoi, ils mettent une sorte de poudre pour que ça puisse bien tenir. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça franchement 2,05€, c'est pas cher du tout. Voilà, moi, à Cora, qu'un seul produit, j'achète pour 1€ et des poussières là, pour 2€ quoi. Une paire de lunettes pour Clara, donc là je l'ai pris en blanc, c'est un 1,50€. Donc ça aussi on va tester ensemble pour 99 centimes, c'est du vernis en spray. Voilà, ici vous avez le mode d'emploi. Donc j'ai déjà vu des vidéos sur Instagram mais j'ai jamais testé, on verra bien. C'est ça. Pour mon riz, c'est ou de la soupe, c'est de chérie. En français, c'est quoi? Pâte faite de semoule de blé dur. Voilà, j'ai pris deux paquets. Alors, où je monte le congélateur. Trois comme ça, trois boîtes. Je me dis si je dois faire un gâteau. Bon, il était au prix de 69 centimes. C'est pas cher du tout. Voilà. C'est de la fondue en sucre blanc. En fait, c'est de la pâte à sucre pour les gâteaux. J'ai pris un masque pour 1,49€ Cios. Ah oui, la dernière fois, c'est vrai, vous étiez nombreuses à me dire Benma, c'est les prix au litre juste en dessous là. J'avais pas capté, moi je disais au lieu de 7,45€, mais bon, c'était la fatigue du ramdam. Qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, c'est les prix au litre ici, et en fait, le pire. Quand une personne écrivait, les autres aussi écrivaient. Mais il faut lire les commentaires, les filles. Si une personne le lit, ben je lis le commentaire. Vous n'étiez pas obligé de me bombarder de messages en me disant, Belma, c'est les prix au litre. J'avais capté à la fin. C'est comme des fois, on répond à mes commentaires. Ou sinon, salut les filles, vous pouvez me renseigner. L'abonné ne s'adresse pas à moi, s'adresse à mes abonnés pour lui poser une question. Ça, je ne comprends pas des fois. Mais bon. C'est juste pour vous dire ça, j'avais envie. Après, j'ai acheté ça. Alors ça, ça doit être bourré de calories. Je vais pas le manger parce que voilà, régime, 95 centimes. Avec Yuka, ça
Le code barre était inconnu, donc je ne sais pas si c'est bon, c'est pas bon, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris ce produit, c'est de l'huile d'avocat ou pas? Oui, l'huile d'avocat pour 2,49€, donc c'est bien pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, cheveux secs et ternes. Appliquez l'huile en massant pour faire pénétrer. Donc ça, c'est à tester, on verra bien. J'ai pris Pierre d'Alain. C'est du déodorant, voilà. Il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a rien. Il est au prix de 2,50€, il me semble. Ouais, 2,50€. Voilà, voilà. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà testé. J'ai pris ça pour Maëlys. On va voir si elle va aimer. C'est des biscuits en forme de lait. J'ai pris ça pour moi. Donc, avec Clara, on aura... Non, moi, j'ai pris les deux. Non, je sais pas pris. Ah oui, les miens sont noirs. Yeah, baby. Come on. Ça change un peu, quoi. Tu vois. Alors, cette année, j'en ai acheté des paires de lunettes, mais je sais pas ils sont. Je sais pas ils sont. J'ai pris ça pour les enfants, le mari. Cacahuète. Voilà, voilà, j'ai pris ça pour Clara, plein de barrettes étoiles pour 99 centimes. Là, il faut que je vous montre le congélateur. Pour Clara, j'ai pris ces Oreos, donc je vais les mettre au congèle directement. Alors ça, c'est pour Clara aussi, hein. C'est trop bon, c'est trop bon. Mais combien de calories? 218 calories, ouais, ça va, hein. Faut se faire plaisir, les filles, hein. Oh, j'ai pris ça pour les enfants. Enfin, du soin, du soin. C'est au poisson. Fish nuggets. C'est même écrit en arabe. Tu vois ou pas? Donc ça, c'est good. Et j'ai pris des lasagnes. J'ai pris des gâteaux. Sans sucre. Donc ça, je vais les goûter de suite pour 49 centimes. J'espère qu'ils sont bons. Au poulet. C'est halal. Et franchement, c'est trop bon. J'ai pris 4 paquets, ils étaient au prix de 1,20€. Et franchement, c'est trop bon. Même les enfants ont aimé la dernière fois. Donc, la dernière fois, j'ai pris aussi au saumon épinard. Ils n'ont pas aimé du tout. Mais ça, trop bon. Donc, je vais ranger ça et je reviens. Me revoilà. Oh là là. On va goûter ça. Je vais vous dire si c'est bon ou pas. Et comme ça, tu pourras acheter dans ton magasin Nos. Ça sent très très bon, c'est un gâteau petit beurre, mais sans sucre. C'est très bon. Ben ça, je vais les mettre dans ma petite boîte. Alors, du coup, j'ai pris Ulrich de Varens, et ça sent très bon. Voilà, j'ai testé dans le magasin et ça sent toujours. Ça sent bon, donc c'est pas de l'arnaque, hein. 2,99€. Voilà. Ça sera pour les filles. J'aime bien leur acheter des parfums. Alors j'ai pris ça, des petits mandats pour 60 centimes, pince à linge fantaisie x12. J'ai pas pris pour le fantaisie, mais bon, mais il était sous ma main, je l'ai pris. Donc j'ai pris ça, il doit être à 60 centimes aussi, des cotons-tiges. Ensuite, pour 50 centimes, voilà. Je mets ça de côté, voilà, quand je fais des petites pâtisseries pour les copines, pour leurs enfants, voilà. Ah non, il y a Angelina aussi au mois de juillet. C'est la fille de ma copine, je pourrais lui faire des petits trucs aussi. J'ai pris des petits pois, huile d'olive que j'ai, tout l'amour que j'ai pour toi. Hop. J'ai pris du macarena, spaghetti pour 1,29€. Franchement, 1,5 kg pour 1,29€. Regardez, ils sont épais. Miam, miam. Donc ensuite, j'ai pris ce modèle. Ici. J'en ai pris un autre, bien sûr. Hein. Tant qu'à faire. C'est à 55 centimes les deux. Et ça, il est à 59 centimes. Aux légumes, voilà, tu mélanges ça avec du thon, miam miam. Après, j'ai pris ça, on va mettre ça au frais, mojito, limon,
Voilà, une petite boisson. J'ai pris ça aussi pour 1,99€. Crème solaire 30%. 30, ouais, c'est 30%. N'importe quoi. SPF 30%. La dernière fois, j'avais reçu un produit Bioderma. Oh, c'est Bioderma. Je pensais, normalement, c'était, je devais recevoir 30%. Non. SPF 30 pour la crème solaire. Mais en fait, j'ai reçu quelque chose pour le visage. Donc, du coup, j'ai pris ça. Il me fallait du 30. Ensuite, j'ai pris ça pour les filles et les garçons, 1,49. Si c'est bon, c'est good. Donc là, j'ai deux produits, je ne peux pas montrer parce que c'est pour l'anniversaire à Gabi. Alors, s'il voit ça, voilà. Ensuite, j'ai pris ça, LCF. C'est la première fois que je vois ça. Je ne l'ai même pas senti là-bas. Oui, il était un peu ouvert, mince. Ça sent trop bon. C'est un conditionneur après shampoing. Violet, j'ai jamais testé le violet. Il était au prix de 2,38€. Et c'est un 400 ml. Ça va durer longtemps. Ça pour Bob, 1,20€. C'est tout de catch. Ouais, c'est catch. Ils sont fous, hein. C'est des fous. Je regarde pas les combats, mais il aime bien. Ah oui, il avait les cartes et tout. Ça lui fera plaise. Pour 2,39€, j'ai pris des brosses à dents. Pour info, tous les 3 mois, il faut jeter vos brosses à dents électriques ou pas électriques. Tu jettes l'embout parce que c'est rempli de microbes. J'ai pris ça pour Clara pour cet été. Voilà, il est au prix de 3,50. Comme ça, quand elle va nager, hop, hop, quand on était petite, on faisait ça. Donc, quand j'ai vu ça, je vais le prendre. Voilà pour nous. Ensuite, je suis allée vite fait chez Maxilo car la dernière fois, on est parti bien sûr et j'ai oublié de prendre le porte-serviette pour 3,50€ qui est juste là, je vous montre juste après. Ensuite, j'ai repris ce produit, donc je l'ai partagé sur Facebook et Instagram. Et c'est la marque You, il est à 1,99€ chez Maxilo. Et pour la cuisine, je l'ai presque terminé et franchement, il est trop trop bien. J'aime beaucoup, ça nettoie très très bien. Par contre, l'odeur, j'aime pas trop. Mais franchement, nickel. Hein. Donc, du coup, j'en ai pris un autre. Ensuite, j'ai repris les glaces à l'eau. C'est à 1€, quoi. Voilà, c'est petit pingouin. Et mon mari l'a aimé. Donc, du coup, j'ai repris. Pour 3,99€, en ce moment, vous avez des t-shirts Marvel, là. Voilà, 3,99€. Au lieu... Normalement, c'était à 4,99€. Mais là, ils mettent à 3,99€. C'est vraiment pour liquider. Et la qualité, ça va, hein. C'est pas merdique, donc j'en ai pris deux. Par contre, vous avez que la taille L, donc c'est pas grave, hein, Gabi. Il aime bien mettre les trucs larges. Ensuite, j'ai pris pour... comment ça s'appelle? Un couteau, ouais, c'est un couteau Ekona. Voilà, un peu plus design pour 1,25€. J'ai repris une boîte à thé pour 5,99€. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est offrir les boîtes à thé. J'ai acheté du thé et une petite tasse pour les maîtresses. Allez, bon, bref, vous m'avez compris, c'est pour la fin de l'année. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que si on regarde mes vidéos, voilà, elles sont fait griller. Et quand j'ai vu ça, regardez, pour 2,49€, j'ai pris deux ardoises. Moi aussi, je vais faire styling. Je vais mettre mes petites recettes dessus. C'est pas trop beau, donc j'en ai pris deux. Voilà, parce qu'ils sont assez lourds. Hein. Et si je vois qu'ils sont encore chez Maxilo, j'en prendrai encore deux autres. Je me ferai une petite collection. Et là, je vais vous montrer le porte-serviette. Voilà, donc voici mon porte-serviette pour mettre dans ma salle de bain. Donc il est au prix de 3,95€. J'ai dit 3,50€, mais c'est 3,95€. Vous avez vu combien il est grand? Voilà, enfin, je vais pouvoir poser mes serviettes parce que c'était assez galère. Voilà. Donc, voilà pour le haul nose. Franchement, j'avais envie d'acheter encore plein de choses. Mais bon, j'avais un petit budget. Je me suis dit, il ne faut pas que je le dépasse. Sinon, voilà. Il ne faut pas dépasser les budgets. Mais bon, voilà. Comme je vous le dis souvent, 1€, 2€, 50 centimes, 60 centimes. Voilà, c'est pas cher. Mais à la fin, quand vous partez à la caisse, vous dites, waouh. Mais bon, franchement, côté nourriture, entretien, produits d'entretien,
Nickel, hein, Nose. Hein. Voilà, tout ça, je peux pas trouver ces prix-là chez Cora, par exemple, ou dans mon magasin, tu vois. Là, je vais continuer mon vlog, je vais clôturer le haul Nose et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!